Mesdames, messieurs, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté dans le monde là, moi rentre la caille, moi salue nos commandes amis tout partout mio. Moi c'est Gabriel Haïti, on l'autre fois encore pour nous capable porter émission ça n'importe la caille. N'a pas oublier abonner sur channel ça qui c'est Gabriel Haïti. Allez dans petit espace où vous pouvez écouter que marquer s'abonner à cliquer sur le après petit cloche à monter et cliquer sur petit cloche là encore. Quittez le sur option toute vidéo que nous laguer pour ces premiers monde qui recevoir notification. Al supporter nous sur YouTube avec sur Facebook, al supporter nous sur TikTok avec sur quoi vous capable joindre toute vidéo qui nous mettez dehors. Nous l'autre fois encore nous saluons dans quel que soit pays que tu as vivre nous saluons. Ça qui a dominé actualité dans moment ça nous connaissons situation immigrant qui a passé dans pays dans pays Texas en frontière pays Mexique dans Texas côté en pile immigrant te foulé en bas pont Del Rio dans Texas et ben en pile immigrant ça a jeune déportation pour pays d'Haïti. Situation li vraiment grave parce qu'il y a plus que 2000 immigrants côté déporté dans pays les États-Unis pour capable refouler dans pays d'Haïti parce que son situation qui si difficile dans un moment qui si grave côté haïtien ça a été sorti dans plusieurs pays qui fait partie Amérique du Sud avec l'Amérique latine nan. Donc ça veut dire pour capable griffer à la destination Amérique du Nord. Dans ce sens, le pays d'Haïti est capable de recevoir un pile d'immigrants et plusieurs avions capables de débarquer. Et si nous avons constaté ça, qui est passé dans les immigrants qui sont arrivés sur la piste aéroport international pays d'Haïti qui est tout Saint-Louvertia, eh bien, nous avons eu un pile manifestation dans le deuxième vol qui était fait là côté haïtien, de faire une grande mobilisation côté. Yo tap cherché n'importe ça ou te jeune pour te capable tirer sous avion pour te capable faire un pile vraiment et mettre un pile problème dans ça qui t'a passé pour yo capable manifester des contentement parce que yo pas vraiment pensé si immigration t'a déporté yo pour te capable retourner dans pays d'Haïti. Situation insécurité a toujours avalé terrain dans pays d'Haïti. Donc ça veut dire en pile plusieurs monde kidnappé dans moment ça, donc ça veut dire et plusieurs tout arrestation qui fait nan et ça qui était passé 7 juillet dans la mort ancien président Jovenel Moïse, yo arrêté plusieurs monde jusqu'à présent comme suspect et puis dossier actualité et la mort ancien président Jovenel Moïse a toujours rapoussif avec Gary Aurélien donc qui a rapoussif dossier ça et de près et de loin pour capable arriver capable aboutir avec ça qui t'est passé 7 juillet qui t'est passé. Nous connaît Daniel Foot li bail li mandé pour li écrit américain li bail démission dans tête en délégation qui tape comme diplomate qui tape dirigé ça qui tape passé dans la mort président Jovenel Moïse là et mais Daniel Foot lui même li remet démission mais jusqu'à présent américain pas d'accord pour capable li capable remettre démission dans pays d'Haïti. Donc on est bandi avec exam toujours à faire la pluie les boutons côté à kidnapper moun dans plusieurs zones. Donc bagala toujours été difficile dans le pays d'Haïti en pile cartouche tap tiré dans zone Torsel côté. Yo mette avis de recherche derrière un citoyen yo dit qui a doublé population dans zone qui s'est vite l'homme et ben en pile la déclaration chef la police la bail et avec un et porte-parole la police là qui capable bail pour concernant de ça qui a passé dans zone Torsel côté zone ça gen en pile cartouche qui t'a tiré dans zone Torsel. Insécurité a pas jambe bat ban dans pays d'Haïti parce que moun toujours a kidnappé dans la République à cause situation a développé dans pays d'Haïti. C'est pour raison ça on connaît Daniel Foot qui t'a dirigé délégation ça à côté Daniel Foot qui t'a et comme un médiateur qui t'a travaillé pour capable arriver résoudre problème et joindre avec solution ça qui t'est passé dans la mort ancien président Jovenel Moïse 7 juillet qui t'est passé. Donc situation on connaît toujours été chaos parce que un tremblement de terre était sous que pays d'Haïti 14 d'août jusqu'à présent moun yo toujours en battante. Autorité au propos chambre qui a décidé pour faire un bagage sérieux pour population qui a souffert dans un drame qui était passé le 14 d'août. Donc, situation a toujours été vraiment difficile dans le pays d'Haïti pour population. Et bien, c'est comme ça, Américains continuent à faire déportation dans le pays d'Haïti. N'a pas d'où rester connecté ensemble avec nous pour capable de toute information que nous mettez dehors. N'a pas oublier abonner sous channel ça pour aider channel la grandir. Donc nous connaissons souvent fois, des fois nous regardons des vidéos, mais regardons des vidéos et puis partager avec nos amis et familles pour plus de monde capable de découvrir channel ça qui c'est Gerville Haïti. N'a pas d'où bonjour, bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté, n'a pas côté dans le monde là. Dans la zone Ravine Pentade, dans Port-au-Prince, dans la métropolitaine, Port-au-Prince, nous connaissons un drame qui était passé plus que
10 jeunes garçons perdus la vie dans un drame côté où t'as fait en fait. Eh bien, yo dit c'est la police qui débarquait sur yo, yo fait cartouche sur yo en pile coup de zam. Eh bien, 10 là-dedans ont perdu la vie dans un drame ça qui c'est dans zone réelle Sylvia, dans zone ravine Pintade, dans Port-au-Prince. Donc situation si difficile parce que dans ces zones ça sont zones qui situées dans zone sous Solino. Donc on même qui pas connaît Port-au-Prince très bien, c'est une zone que les zones Solino, zone Sylvia. Donc ça veut dire ces zones ça qui gagne zone ça qui relait ravine Pintade, c'est dans zone ça côté la police ouvert cartouche sous jeune garçon ça qui t'a fait programme nan. Donc plusieurs là-dedans ont perdu la vie dans le pays d'Haïti. Situation immigrant dans le pays Mexique, donc il était chaos en pile immigrant jeune déportation dans le pays Mexique. Plus que 10 000 immigrants haïtiens déportés dans le pays d'Haïti, plusieurs avions qui débarquaient dans Port-au-Prince et dans au Cap, tout gain avion qui débarquaient dans au Cap pour capable porter immigrants ça arriver à la destination pays d'Haïti. Et bien tout gain en pile immigrant qui toujours et continuer dans fil là qui a sorti dans zone Panama, dans zone la Colombie, qui a continué fil là pour capable griffer à la destination pays Mexique. Donc c'est une situation qui pas autant facile pour eux-mêmes parce que Joe Biden demandé pour tout immigrant capable et tempo yo capable rete dans direction côté Oya parce que yo pas accepté pour aucun immigrant vienne refouler dans en bas Pont del Rio qui dans zone Texas là encore. Donc nous connaissons et haïtien ça a gen parce que gen en pile communauté internationale doit moun donc qui jugé c'est yon bagay qui paraît clair côté gen en pile militaire américain qui t'a couru des haïtien avec cheval pour faire cheval piétiner yo. Donc ça veut dire en pile moun ouais ça paraît clair comme yon pays grande puissance et non au moment haïtien en difficulté parce que plusieurs pays qui sorti dans pays Chili, dans pays Brésil et dans pays Bolivie, ça qui sorti en Argentine, ça qui sorti en Amérique centrale là, dans Panama, ça qui sorti tout en Équateur et dans divers pays dans zone qui fait partie Amérique là. Donc ça veut dire tout le monde ça t'a refoulé pour capable arriver après toute misère qui au fin passé pour arriver et puis pour capable déporter monde ça. Et concernant immigrant ça dans jour ça et jeudi arrivé vendredi il y a plein immigrant ça qui joignent facilité pour capable éligible pour capable rester sous territoire américain pendant 60 jours pour capable venir répondre question un juge dans pays a pour est-ce qu'il est éligible pour capable rester sous territoire pays les États-Unis. Donc situation pas autant facile, gen en pile là-dedans yo obligé déporter femme avec co garçon avec petit monde et bien yo capable griffer dans pays d'Haïti sous à la destination. Président Luis Abinader frappé très fort dans moment ça dans visite dans humble qu'il te gagné dans pays les États-Unis. Donc ça veut dire nous connaît Luis Abinader dit que Haïti représente un gros menace pour République Dominicaine. Yo même yo pas gagné position, yo pas gagné dos yo pas là tellement pour capable supporter chaque pays d'Haïti a faut américain capable prendre et responsabilité pays d'Haïti en main pour capable soulager misère avec insécurité qui dans pays d'Haïti. Et bien c'est dans même déclaration ça Daniel Foot lui-même lui parlait tout, lui mandé américain faut qu'il était capable déployer un troupe militaire dans le pays d'Haïti et pour capable combattre l'insécurité. Et bien c'est comme ça en pile autorité américaine répond yo dit Haïti li pi bon pe plus que Jean qu'il était que 6 mois avant Haïti pi bon et Haïti pour que cham rentrer non moment pour Haïti ta gain la paix côté un pays qui gain insécurité pas gain président. Donc c'est Ariel Henry qui sait le coq chanter dans le pays d'Haïti qui a fait la pluie et le beau temps. Et bien c'est comme ça en pile secteur dans la vie nationale là a signé un accord avec Ariel Henry pour capable faire un gouvernement transition pour 2 ans ou bien pour attendre année 2023 dans le pays. Et bien en pile secteur yo dit bagage ça li pas passé. Donc mais jusqu'à présent tout le monde était quoi. Donc ça veut dire c'est Ariel Henry qui gagne maître là dans mel qui a fait la pluie et le beau temps dans le pays d'Haïti. Donc ça veut dire c'est une situation qui si difficile dans le pays. Donc on est le nèg 400 maozo qui n'a pas de bouquet. Donc yo toujours abstimé la toubla et côté yo te bay ti machan yo doit oui yo bay accès pour prendre la rue. Ouais c'est bandi yo qui a fait la loi en dans pays a dans zone Canaran dans zone Canaran et avec dans zone et
Et dans le grand plein nan, nous connaissons en pile difficulté côté monde toujours à mourir ou toujours à tuer monde. Et donc ça veut dire insécurité a toujours à valer terrain. Dans plusieurs côtés, dans Gonaïve, dans Gomon, Gonaïve, insécurité a toujours à valer terrain. Donc dans le moment ça, la situation n'est pas bon du tout. Et bien c'est comme ça, Américain lui-même, les Abdi, donc pays d'Haïti, plus bon que Jean qu'il était avant. Et c'est toute information ça où nous gagnons, nous mettons dehors. Et pour même nous souhaiter ou même qui pourquoi abonner, nous avons invité ou venir abonner sur channel ça pour capable joindre toute information qui nous mettait dehors. Donc on est dans la zone Tocelle côté, nous mettait à vie de richesse derrière. Nos citoyens, nous les vite l'homme, nous dit qu'il a troublé la population dans la zone ça. Et en pile cartouche qui tape tiré dans la zone Tocelle et content bandit qui a mis la trouble et danger en pile famille dans la zone ça. Moi, mais nous en pile. Moi c'est Gavi Haïti, n'a pas souhaité nous rester sur channel ça pour nous capables de joindre toutes les informations que nous mettons d'ailleurs. N'a pas à l'abonner nous, à le supporter nous sur toute channel YouTube là avec TikTok et avec Facebook pour information capable de vivre n'importe la caillou. Moi même en pile. Moi c'est Gavi Haïti, on l'autre fois encore. Passez un bon après-midi, une bonne soirée à tout le monde qui va attendre. Et c'est en pile. Ciao ciao.